Nous sommes maintenant derrière la cathédrale où de nouveau des tirs sporadiques ont lieu, car maintenant, étant donné que des poches de résistance ont encore lieu à Rabat, vous entendez des mitrailleuses derrière nous et des fantassins qui cernent le quartier. Ça tire encore dans certains coins de la ville, du quartier de l'ambassade de France, du côté également du palais royal, et les mutins auraient pris des otages et on essaye actuellement de les rechercher. Vous voyez que la situation est encore très confuse à l'heure où nous vous parlons. Un des soldats qui était là-bas, un des cadets, me fit signe de le suivre. Pour vous parler très franchement, j'étais à peu près convaincu qu'il m'entraînait dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Lorsqu'il se vit à l'abri des regards indiscrets, il se mit au garde à vous. Je lui commandai repos, il se remit au repos. Je lui recommandai garde à vous, lui tendais ma main et lui dis qu'attendu pour baiser ma main. Ce qu'il fit. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit, on nous a dit que le palais était attaqué, que votre majesté avait des ennemis et nous sommes montés. Maintenant, je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis, veuillez vous cacher. Je lui dis non, appelle tes camarades, baissez les canons de vos armes, suivez-moi. Et c'est alors que je tins ce langage à un groupe de 6 ou 7 cadets en leur disant, il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement, quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement, qui a fait que j'ai pu récupérer tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions ou les différents services du royaume. Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer les officiers rebelles actuellement arrêtés? Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire, car je crains que demain soir, à cette heure-ci, ils soient exécutés après qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Quelles sont, Majesté, les dimensions et la nature des pouvoirs accordés par le roi Hassan II au général de Tyr et quelles limites est-elles fixées à leur durée? Le général Oufkir et le général Driss se départagent la tâche. Malheureusement, ils n'ont plus leur troisième homme qui était le général Bachir qui a trouvé la mort hier. L'un et l'autre jouissent
de pouvoir étendu à la mesure de la confiance que j'ai en eux, mais il est certain qu'aucun texte, aucune situation n'est venue pour créer quoi que ce soit ou amenuiser quoi que ce soit. Nous sommes actuellement dans une situation transitoire, pragmatique, qui fait qu'on met the right man at the right place et on verra par la suite. L'obsèque officielle ce matin, c'est l'obsèque de la foule maintenant au cimetière Halabal Abdallah. Tous les habitants du quartier sont venus ici rendre un dernier hommage aux victimes de la grosse fusillade d'il y a deux jours. C'est ici que le général Oufkir viendra désormais travailler tous les matins. Le ministère de la Défense nationale, qui se trouve derrière moi et qui, vous allez le découvrir, se trouve dans l'enceinte même du Palais Royal. Autrement dit, le général Oufkir est désormais avec le Premier ministre le plus proche collaborateur du roi, tout au moins géographiquement. L'est-il aussi dans les faits? C'est simple, sur cette liste protocolaire du précédent gouvernement, le général Oufkir, en tant que ministre de l'Intérieur, se trouvait en 12e position. Et sur cette liste publiée récemment par les journaux du nouveau gouvernement, le général Oufkir se trouve en 3e position. Autrement dit, c'est certain, il a eu une promotion. Le voici prenant possession de son nouveau ministère pendant la cérémonie de passation des pouvoirs, quelques minutes seulement avant qu'il nous accorde un entretien. Nous avons tous vécu les douloureux événements du 10 juillet, ils ne feront en sorte que les enseignements qui en ont été tirés
nous confirme dans l'effort que nous devons mener dans l'intérêt de notre pays. Mon général, vous venez de parler de la mission qui vous avait été confiée. Pouvez-vous, dans les grandes lignes, nous résumer cette mission ? La mission du ministère de la Défense nationale est claire et nette. Mais nous vivons dans un monde moderne. Et personnellement, j'estime que les armées d'antan sont révolues. J'ai dit aussi que dans un pays, il n'y a pas de sorte de citoyen. Il y a les citoyens, il y a ceux qui sont en uniforme et ceux qui sont en civil. Le but et le rôle de notre armée n'est pas de s'équiper pour faire une course aux armements, ni de préparer un affrontement quelconque contre quiconque. Le rôle des forces armées royales, c'est de faire de la sorte que l'armée soit une école de cadres. De cadres qui pourront contribuer dans le sein de la nation à un développement économique et social et pour justifier vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de la nation, le budget de la Défense nationale. Pour moi, le budget de la Défense nationale doit être un investissement positif, productif et rentable, dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de la nation, et dans l'intérêt du militaire et dans l'intérêt des civils. Mon général, en tant que ministre de l'Intérieur, vous n'aviez peut-être pas l'occasion de rencontrer souvent les représentants du gouvernement français ici à Rabat. J'imagine qu'en tant que ministre de la Défense nationale, vous aurez peut-être l'occasion de les rencontrer plus souvent. Ben, ça serait avec le plus grand plaisir pour moi de les rencontrer. Mais mes rencontres seront dans le cadre de ma mission en tant que ministre de la Défense nationale. Et je pense, et je le souhaite même, qu'il y ait beaucoup plus de contacts entre nous.